créatif, scientifique, sportif, Martin Charrier est ingénieur INSA, mais pas seulement. Étudiant en master spécialisé excellence opérationnelle de l'INSA Rennes, il est aussi champion du monde de monocycle. Moi, je pratique principalement le cross-country et la distance. Et donc, de manière très fréquente, puisque je roule tous les jours avec mon monocycle. Après, ça m'arrive aussi de rouler sur des distances plus longues, comme 10 km, 42 ou plus de 100 km. On peut atteindre des vitesses au-delà de 30 et même 40 km/h. En compétition, les moyennes atteintes sur 100 km, les vitesses moyennes sont d'à peu près 28 km/h. Moins de 10 ans après ses premiers coups de pédale, c'est avec 5 médailles, dont 3 en or, que Martin revient de l'Unicon 17, la compétition internationale de monocycle. Alors la préparation a commencé dès la fin des championnats du monde précédents, en fait, puisque j'avais eu plusieurs problèmes techniques et je voulais pas que ça se reproduise. Du coup, j'ai beaucoup préparé la fiabilité du matériel et j'ai tout fait pour arriver à la compétition à Montréal. Avec tout le matériel nécessaire pour pouvoir me fabriquer le mono de mon choix avant chaque course. Donc beaucoup de préparation matérielle et aussi une bonne préparation physique qui consistait à faire principalement des marathons tous les jours. À 23 ans, Martin Charrier garde l'équilibre entre études et passion sportive. Pour moi, la complémentarité est aussi du fait que je réfléchis beaucoup donc, en études à l'INSA. Et en dehors de ça, le monocycle me permet de m'aérer l'esprit et de me dépenser physiquement, de faire travailler les jambes, donc voilà, c'est beaucoup la tête en cours et les jambes en dehors grâce au monocycle.